Oui, alors? Allô? Oui, ma soeur. Oui, comment ça va? Ah, je vais très bien. Et chez vous? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ah, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours dans l'émission? Oui, je suis là. Voilà, je voudrais vraiment intervenir un peu là, comme ça fait un peu longtemps que vous avez commencé le débat. Mais j'ai suivi, voilà, votre intervention et l'intervention de tout un chacun, surtout les trois derniers qui ont intervenu sur la Guinée. Je salue tout le monde. Merci d'être sur cette page. Et nous remercions aussi ceux-là qui viennent pour, voilà, faire monter ce qu'on appelle les têtes mortes. Non, c'est même pas qu'est-ce que ça signifie. Mais vous savez, dans un combat, si vous n'avez pas des adversaires pareils, vous allez vous décourager. Mais sachez que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes. Three, three, nine, eight, four, Aussi. Parce que la majorité qui vous suivent, nous croyons à ce que vous dites et nous voyons la sincérité dans votre combat. Vous savez, ce pays-là, que Dieu nous aide. Nous tous, Guinéens, nous prions. Mais peu de personnes ont peur de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens prient, hein? Partout il y a des mosquées. Les mosquées se construisent un peu partout. Pour savoir que vraiment les gens prient, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Confiez l'argent à un responsable d'une mosquée. Revenez après quelques heures pour reprendre votre bien. Vous verrez ce qu'il va vous dire. Donc, c'est malheureux. En 2010, nous avons vu qu'Alpha Condé était venu au pouvoir. Nous avons vu des donceaux un peu partout qui chantaient Alpha Bla Donso Lumina, Alpha Bla C Lumina. Mais je vais vous dire une chose. Vous parlez de la religion, ceux-là qui croient. Beaucoup minimisent, c'est-à-dire celle d'Alec. Ils pensent qu'être président, c'est aller s'asseoir seulement à Sérotouréa ou bien dormir au palais là-bas. Il y a des personnes que Dieu a créées, c'est des chefs. Quels que soient. Ces gens-là, ce sont des leaders. Il ne s'agit pas d'être au pouvoir seulement et pour qu'on t'applaudisse, on fait des cortèges. Non, non, non. Il y a ces personnes, c'est Dieu qui les guide. Je vais vous dire que paix à l'âme de maman Harriet Conté. Quand Selou Dalène a été attaqué au stade, au temps de Dadis, les gens qui étaient venus pour rendre visite à la vieille, ils ont dit qu'ils ont touché Selou. Elle l'a demandé trois fois. Vous avez vos mains là. Est-ce que vous avez touché Selou? Les gens ont dit oui. Elle a demandé trois fois. Vous avez touché à Selou? Ils ont dit oui. Là, il y a des conséquences. Il y a des personnes, même si tu ne les aimes pas, il faut les laisser comme telles qu'elles sont. C'est très important. Mais les gens minimisent ça. Ils pensent que parmi tous ces leaders-là, qui n'a pas quitté le pays, si ce n'est pas Selou, depuis 2010, pendant 11 ans de dictature d'Alpha Condé, le monsieur est resté là, niet. Vous pensez que c'est comme ça? C'est là qu'ils disent que c'est d'aller votre petit Dieu, votre demi-Dieu. C'est-à-dire, vous vous amusez avec des mots que vous-même, vous ne connaissez pas. Hey, l'affaire de Maraputa, ce qu'on dit là, il y a de ces personnes, ça existe. Mais si vous voyez qu'il y a des personnes qui résistent, ce n'est pas pour rien. Hein? Ces gens-là, ils ont la foi propre. La foi propre. Parmi les ministres de l'ancien Conté, pendant les 24 ans de pouvoir, seul Selou Dalène Diallo a reçu les bénédictions de l'ancien Conté. Vous pensez qu'il l'a fait comme ça? Le monsieur a vu la sincérité sur l'homme. Ce monsieur-là encore, c'est-à-dire, je ne pense pas, c'est pas. Je ne pense pas si c'est d'aller faire du mal pour ce pays-là. Sinon, ça allait balancer en 2010. Mais les gens n'ont qu'à rester tranquilles. Les gens n'ont qu'à savoir que l'affaire de Châtel, là, ça ne vous amène nulle part. C'est un truc que vous créez des problèmes. Nous tous, la majorité des Guinéens ont applaudi Mamadi Doumbouya. Mais avec observation, moi qui vous parle, je dis, je ne critique pas Mamadi. Je ne le félicite pas, je laisse dans l'observatoire parce qu'on a vu beaucoup de présidents. L'arrivée de Dadis, on était là. Quand Conté était venu, on était là. Beaucoup de ces présidents qui sont passés, Alpha Condé, l'espoir gâché de tout un peuple, il a mené un combat de combien d'années? Il est venu, mais qu'est-ce qu'il a pu faire? Regardez l'exemple que le monsieur vient de donner, qui a un père Peul et une maman Malinké. Lui,
Peut-être au moins à cause de sa maman, on pouvait le laisser. Mais aller jusqu'à demander à quelqu'un de changer son nom pour qu'il laisse dans, pour qu'il reste dans l'administration. Madame, Adanyina Naki. Mais quand tu parles, les gens pensent que voilà, c'est des inventions, les gens sont en train de raconter des histoires. Il faut vivre les faits. Il faut vivre les faits. Il faut vivre les faits. Il y a beaucoup de témoignages. D'autres ne nous veulent même pas en parler de ça. Oui, mais que Dieu nous aide. Les gens là n'ont qu'à s'éloigner des affaires de Satan. S'ils prient, ils n'ont qu'à prier le Tout-Puissant Allah proprement. Mais l'affaire de Gina Mori là, ça ne marche pas. Ça va se retourner contre vous. C'est comme si vous faites, vous partez consulter un marabout pour qu'une femme vous aime. Mais la femme là, elle va vous aimer au début, hein. Pour des années, elle va souffrir derrière vous. Mais quand ça va se retourner contre vous, là, vous allez enlever votre pantalon par la tête. Mm-hmm. Je vous dis. Mm-hmm. Parce que c'est comme ça. Ça va se retourner contre toi. Abir Nakinara. Mm-hmm. Regarde, c'est comme les gens qui disent en Occident, là, et puis Ramire, il non, il y a quoi si, comme Abar Bouamou Bilenfi, on kata on amato, on a raso makianara. Anar so, anar anar feli, on a bangekui. Anar dahoira, fena. On est ça pourquoi on a pas. Donc madame on a rien à reto n'est là alara era là alara n'est mula alara là na 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 satan fait nana era lura homa mais au musia ma dede voilà notre pays là au musia ma dede et regarde c'est dans une mentalité de namire ogni quand tu sors de la Guinée là mais cette mentalité sort de ta tête. Oui. Parce que la Guinée, tant qu'il est inana, il est cuit. Il t'a mis dans le même nez. Donc, fais la rabir d'un fait, la Guinée, c'est normal. Va au Sénégal, va au Mali, va en Sierra Leone, tu reviens en Guinée. Après une semaine, deux semaines, tu verras que même ta mentalité a changé. Les gens vont sentiront que oui, toi, tu n'étais pas au pays. Mm-hmm. Tu peux dire à quelqu'un, non, j'étais là, j'étais à l'intérieur. Ils te diront, hé, il m'en a béré. Parce que il a fait là-bas, qui vire ma sarabane. Il n'y a pas de garoubane. Un gaouman est la Guinée qui a comporté ma canara. Mais tout ça là pourquoi pour... ça ne sert à rien. Oui. Donc, on a des narais que Dieu nous aide. Mais oui. Nous n'irons nulle part avec ce comportement-là. Oui. Donc, les Guinéens n'ont qu'à mettre bas à la terre et savoir que venir ici, essayer d'écarter tel ou tel ou tel ou tel, ma sœur, ça ne va servir à personne. Ils peuvent le faire, hein. Voilà, dans des orientations, ils peuvent le faire. Mais nous n'irons nulle part parce que on nous attend tournant qui est né. On l'a attendu tournant qu'elle est. Alors, ma chère, qu'elle est. Mais je dirais que c'est un horreur, c'est Alpha Bamba. Nena Dumbuya Bamba, tu vois, on t'a m'aimé. Donc, je me limite là. Merci pour ton temps. Et vraiment, continue ton combat. Allez-moi, non, Mirio, ma bé. Hé, Mirio a fait un angola, un nabama. C'est là qu'il faut monter les têtes mortes là. Et fan d'un angolo. Donc, il a tes femmes, l'homme, et ma doma, il faut monter les têtes mortes là. Ce que tu dis est important. Sinon, elle va me bé, l'homme, et ranimato. Donc, nana, voilà, bébé. On blesse les Satan et on blesse les Satan et fait fora. Amu yohani ma tete. On a ramagani ma mamadira. Mamadira kolon. Avoir fatu ana pouvoir. Mais à discours il ne reste ni horo. Mais il ne reste tout un peto. N'ira mon discours tenigo. Voilà. C'est lui qui va être responsable de ces discours là. Ces gens là. C'est-à-dire, Miriofa, Bangeofa, Foyso, Igalembouni. Et t'en a kolon sur une débarrasse de manière qui en a rien. Il faut être dur de caractère pour. C'est-à-dire pour sortir de ce problème. Si vous voyez beaucoup de ces personnes-là, les anciens collaborateurs de ces loups, beaucoup d'entre eux ne veulent pas que le monsieur accède au pouvoir. Ils le savent, parce que le monsieur, c'est quelqu'un qui est franc et exigeant. Et colon, alimenté n'a parti politique, à Mémera, ah, c'est nous d'aller, oh, kata, c'est-à-dire, amou, méritima. Il n'a même la gnecara d'aide, c'est-à-dire, à barakolo, et en titi, amou, non, mais corrompu. Voilà. Il n'a des dettes. Parce que, au moment où on a mis le rôle, moi, les Romains, quand les femmes, la Guinée, on a fait moi, arrêter de la Guinée, quand moi, mon homme, ils veulent quelqu'un, et non, on a rang, à ma douée, on te fait monter de gauche à droite. Eh, na, Iblis a fait un acquis. Amérique des Nations Romago, Amérique des Souba, Ada, Iblis a fait nommer celle d'aller sur Wadan, bar celle d'aller sur. Voilà, mais vous fatiguez. Voilà, vous fatiguez. Restez tranquille. On a des narrateurs, moi, quand on te finit. La Guinée, on met ma transition qui en a rien. Ou à toi, à Boulafé qui en a rien. Partout, c'est des faux coups d'État. Mm-hmm. On a la marande, alors la Guinée s'abattit. Mais la Guinée, elle s'abattit, bah, tant que, mais rien, mais bon, elle a fait rien. Mais là, n'est-ce pas la Guinée? Moi, je ne le condamne pas, parce que si tu n'as pas un élément de comparaison, il est très difficile de progresser dans ta vie. Mm-hmm. Merci beaucoup. Merci. Allô? Allô? Oui. Allô?
Oui. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana di ko tanawu. Tanawu munana, tanamu nana. Tanawu. Wa mawen fi la ginefi na madundrundi. Mbara miginde ha ton na me ina kan fala fi abiri non dinara. Wamai la gine mange nehi bara mange ya gani imusi siraba mange yo na kamfa imuti mana gawali alako itangali kobi na mafala. Engu miare? Afanyira ndo be na mepa afanyira. Miginde ha emission na me sende waira mere na kamfala na kanon diati nara. Nami retour fe na hanna ki nami wuli fe na hanna ki non di yati ginara he naram inwa mi gi goma ya ko si gasi ga yire in na hanyo fala hanna nan na ba in nara wali be in nara ba shakini balagina wonna nan nan ku wonnu mumin manoki parce que ala kono ko ma kifani e hakka tumbe dun runti wallahi karamo wonde in karamo wonde kulung mais abara lafra allagine fi serexe finne ana khallagine na mantroli na hanku hawunno ma min de yukui ana khafule ndi kere lagine birin chrétien ba musulman ba e birin khasule ndi kere wonga siga wonga wonye tarabile alama parce que yi setan ba tu fe na hanyi ki yi bara o la gine kha muslim ya bibbe hun nakana oui e bara menye afanyira la gine ka ekulu atala ni la gine atala ni wu malima gagal fayna fi mawuma oui bon tu la gine wonna ki ya na gagal fayna ne re be nokuru gagal kubina ne re be ne nan gutu dangi fera gagal fayn kanyira dunia ala to wonda wotan ne re no ma woboro ha fi handa wotan so mo woboro yi an ko so woboro yi ra won wo bela ga so woboro yi ra wono ma fe na hanna wono kan mane me wo mu wonje ta sama lagina kai tana saare ala place tout à fait ala na hanna bayna khi ala na hanna bayna hanna mu fam oui wotan wa ma jina ngoma oui or ke ta wa na ngwa mona ki na fam bu fam kono kana mara la gine misil minango chrétien benya iyo ala na ha misil mi bi dim gakire ha misil mi bi dim baba kire ah onni wo mboro xe bu mayi misil me ya xe bu rewo na assalamu alaykum oui na assalamu alaykum na annaki nanan naki itan baraki sin tan mafiya khira ba fira itanna me wonna fala ma nafan yati mu fi khair kono yo nafan yati mu fi khair anu altala o mu kharange me won kara mu khay ku ra mema yo yati altala kha dalu ku inde nan dalagine kam wa man nan na me fi a fala fi wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibba shay'an wa huwa sharrul lakum lakina kam wa manara mafiku anu altala hadal kuinan naki anaha sendin dinana war khommane wete kam ali na sinan fawutan be sendin dinana wa makhanu mane ali na sinan fawube balagina ka wonna nanan kuito mais il problème la gna il problème na rien ka sa kelle a sa fatan fo bangi bina nasim li sina may na am madi mu findima madina findima rabo ri hadi mu findima effectivement anu yam fe koloni ina gema fata gede de ima kolon heta nan simma wallahi ana mara hawaina ra barande kata de yipiri muno mo wayende ya kuluma na kama altala kono kula gine kama inu nondi falafolo la gine kaba ana adera di shinde enga nangu iyo tutafe
xanamaara emanie si betela ina xam fa la fa mu do ko fi xede am mu do ko fi xeda xam ma yoku ah li na xam fa la xey ci al ni non dinara mboden na fute tane ko na france ne mboden de nana gabone nara do on de mon na wem fe ana bangura nanam ana xam ma ko lon la gina tam fi fi yura baqi alara ana xala gina si birin na woyira me la gina kanan toro et puis na fi na xana woyira la gina a barakeli la gina kan ina dede na fi a poursuivre na oui bour xay kané ñaaru fi bouru ra allô na me fa fanyira la gina kalu dede amwa abori khaher yom khawna la gina wuma mo goro khaher yom woni se la yamane fa mo wuma mo goro khaher yom ma be na fe sa folo fo bangi kuine na fe nan se khaher asa so ecole e kui na fe nan kel re ecole e kui adin la gina ra abara sumbu won ulira alahu namina fi amina amina me na kham fa lama la gina katam birim be hana e san kuira me birin kha dimbaya kanyina ra birin kha kha dimbaya rasi hay bor be na ra birin kha bori rasi wo ngabe san kon nan de ya be ni na han noma nanan noma na ambu noma no mu noma yi eti ni fe na han yiki wo nyi ba wo makal kil kui fani ma yi eti ni fe na la gine wo na la makandi ma wallahi hal wo na alquran kharan hankil fi akole hare nyonyi parce que al quran e ma kharam ma dunya fefe ma mara ba me dengania na dengania ko lo min de ala fala na amma walu na wono du na fala na amma war a wono raba ko lo atala fala wombe wonna handu na wonna tungo a ko lo ko wonna na ra wonna ma handi ma na shuma to ne katina na mo shuma di ya te tore na na ki ya te mata ganye alo wonna na hankui kal mara al quran na hanga dan fe la gine ala kala gina shiga yare imamu ibara duba han ibara sagan ito atuma la gina kala tu ala tu kono kuma hal wo umma imamu ina rawo me binya wanda na fa ila gina kan nan gui me ma falama ka imam bana ha imam munon di falama no anon di na kan fala gure na shugune ha hadi mba allô? Ah, aujourd'hui là. Allô? Allô? Ah ouais, non, mais fais. Yo. Voilà. Maintenant, on a. Allô, mon avant mon mari fait son ongou. Allô, oui. Ah, ouais. Non, pas la fille, mais la mère, mon gars. Allez, ouais. Allô, oui. Ah, ouais. D'accord. Maintenant, Allah a la Guinée Mali. Amina, amina. Allah a la Guinée Mali qui fanny. Amina. Hanamara, Wolluma Yikine. Allô, on est, est-ce que ma. Ira re walima c'est moussi c'est ce tomana et walrum ba toujours nta na ampala malagine ke ben re nguira mema ne re nguira meri et na yi ira pasma bidin ga ga merira si wo nga wombel ga so mboro yi da wo nga etini feluna etini fe na hanye ki mu dunya xan fe fe amu dunya amu yamane ga ni mayare fiu ba e bidin ha kulun ana hui bidin ana susu hui ana maninke kui ana kui bidin kui na hanjet bidin fala fe halfo te kwanji be no kui nana asa makhili hawo mu la ngo mu no ma sesira allo oui na me fa fanya hawo mu la ngo mu no ma sesira lagine ma so lagine na tore na han kwito lagine ka bidin ma papa khara imuno ma sesira imuno masisira hali ina khankhebu fawe nkubi falebe kankan kono khaburu ma
Mousefera, irime on, ibore rima on, womoboro de gema. Ou si c'est faux, nara na woha wa enfin fellow bourbe wom narbama. Mba, mawe ndongo e banker en kamara, wonka rasisia luna, rasisia wonka de madede. Parce que wombiling, wona ha momad mantoina na wona. Alaha heraha, hadisa yikui, anaha. A ndi muna mirira mirina hankiliki ma rasisia ma. Ande muna mirira mirina hang gereso ma rasisia ra. Ande muna mirira mirina hang ma rasisia ma. Unibiri mer karamoira. Umbirin atouri. Kono unabirin tungo nasa de kote. Eha ma seigne. Kerin nan nan e ma sen yoti ni habidu era mema kifanyi afala fi al khawun natanga al khawum min sentana khatra khumma al khana raba wombe khana muraba wombe wallahi aja wonsi gama han won tambizim fa khawum mama madena kham fama won tulupite won ne ma hore na ah hanya wala gine lukiya na kana na kine kubete mana kuram fe mulan fi pesan konnen de ane boru tegi ina na kine donyang faida atanan laki ba alahu bin mali watanre o makenangri alako ladina di khabil qashu aburi alahu mali alahu shukra alahu jabu alahu ratanga yahya ma rasul akhira qur'anul karim wa mar alhamar fi salli ala muhammad amin ala duwa wa tungala ala magandi tungala ka kole famba ala ka kole wo bin menere bin ngali tife allahumma amin amin ala taala ka fe bin sona ala ka muslimi ya sika yari ma ala sembe fi muslimi nu muslimi ya ma allahumma amin amin merci beaucoup hein merci salam alaykoum salam alaykoum merci donc vous savez hein allô oui allô ma soeur oui allô? Oui, allô? Oui, on est là, on écoute. Rebonsoir. Oui, rebonsoir, madame. Oui, mes filles. La fin, il y a. Ah. Toujours, la Guinée est en situation nara. Ah, donc il y a si on va voir c'est une religion affirme. Mais on n'est même un facteur qui est ma. On est un africain na na. Voilà, comprends. Enfin, il y a. Africain na na on t'en a. Donc, du coup. Quoi tu veux le m'gar? Il faut éteindre le téléphone de derrière là-bas, pardon. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Hein? Oui, ça va. Donc du coup, je disais que nous sommes des Africains. Mm-hmm. Nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Asiatiques, nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des Africains. Mm-hmm. Donc avant l'arrivée de l'islam en Afrique, sur le but, ils sont là. Voilà, je disais avant l'arrivée de l'islam en Afrique, l'islam en Afrique, Ali, on a créé un batoufé. On a dit qu'on a créé un batouma. Donc il faut voir le contexte. L'islam sur l'Afrique qui est en arrêt et les conditions qui étaient posées pour que les gens puissent adhérer à la religion musulmane. Mm-hmm. Il faut voir ça. Mm-hmm. Sorry. Elle va comprendre quoi? Enfin, il y a. Donc, faut on a un contexte dans tout. En Afrique, nous sommes 50% animistes et 50% religieux. Donc, il n'y a pas de thème. Il y a des imams. Il y a des mri ordinaires. Il y a des imams. Il y a des thèmes. Il y a des thèmes. Il y a des thèmes. Donc, du coup,
faut qu'on ait abandonné. Tant que on a abandonné, elle a toujours à on a parce que en un moment on a fini, on a fini, on a n'abat fini qui. Et mon homme a falade et à la batoma. Sendendiri tagimeni, obe sendendira kata ira bangi. Nana African di na ira. Oui. Ombire sika ma karamoko ire. Soit karamoko nasira nasira fala azu ira afale be magagira. Ini fe naraba. Moi je pense bien que dans ce contexte ini fe naraba. Est-ce que il a à la sira na ku? E bara feeling kafu ala ma. Oui, tout à fait. Il a il va offrir kafu ala ma. Donc elle a alara iluma ala na ngambira. L'air nali isali idwa uraba ira zakani ira sarareba. Et puis c'est tout. Mais tant que on se makaramo ko ire, on se sebe sebe ma planche ma, on na maga ou bien on na yetungo on na dogo bangi kui. Ubiya wonge tongo wonse ga mge yire edwa uraba e makolo nansini na tout ça là c'est pas correct. Oui. Donc nabiri nana on toro fi. Oui. Il faut qu'on arrête. Mm-hmm. Il faut qu'on arrête. Quand on dit qu'on est musulman ou on est chrétien, on doit pas rentrer dans les conneries pareilles. Mais je sais que les gens vont rebondir sur ça pour dire que non, il faut écrire quelque chose sur la planche, et puis Inamara, Alarinara, c'est comme ça, des trucs comme ça. Ils vont venir parler de ça. Mais moi, à mon avis, je pense bien que c'est quelque chose qui est anormal. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Voilà, parce que Insiga Kramoko, il est, et Bagriala, et Falanko, Bagdinare, Indisebele, ma chance Nara. Donc, Nanana qui a la chance dans un film, et moi, ma chance comme moi. Mais il a eu Dibag Nana, et Bele. Ou bien, il a fallu que tu aies un peu de temps. Donc il faut que l'Africain arrête ça. Mais moi je condamne pas l'Africain. Je condamne pas l'Africain parce que l'islam wongwemu islamura. L'islam est venu. L'histoire nous a enseigné comment l'islam est venu. Directement. On est 50% animiste, 50% religieux. Donc et africain yo tongo africain yo ya to mané bag na belere kamuna belere sendende da tai aira bangui ku ubi agri atagi ubi agri ateni ubi ye na aira bidon ku adwa o makolo na tinu na tinu na te tout ça là c'est de n'importe quoi. Sali alo na ngafala ri keli kwera era sali yo tongo era sali ri belere do ala yara era mayandi iri era besoin falabe inshallah arati manebe la religion musulmane elle est très simple. C'est très très simple, il y a pas de complication dedans. Raymond on va parler pour lui falade era il va le ici ça n'a rien à voir pour aller sur un kramoko ou bien j'ai un fétiché pour dire que nagara betambe non. Il était quand même arabe. Donc, nanana qui, et que l'écoeira, après tes 5 prières, et que l'écoeira, allez, rakat finansalima, et n'y a pas de salam alaikum naba, et belaiti alayara, il a besoin de falabe, et n'y fait guère besoin de faladabe. Tu verras, et naba une fois, deux fois, trois fois, un mois, lima qui en a gagné, y a lima, et besoin d'en falabe, aba araba. Et inulu nafari, il m'offre une kafuma alama. Mais tant que c'est comme Kramoko iré, parce que né Walima Kouran Nangalira, c'est vrai, et Walima Kouran Nangalira, tout ça c'est bon. Mais du moment que Ebara se souira, ou bien Ebara yé souira, ou bien Ebara s'indéte en souira, Ega Fima Kanara, ou bien Ega Narakata, ou bien Ega Anyeki, Ega Anyeki, Nananaki, Ega Frinka Fou Alama. Parce que, Inara Inoufantou, Ibi Manyo Ouma Alama Sonon.
Donc, du coup, na problème fanna on fari la Guinée. Mais bafé na kuyi, ma soeur bafé na kuyi, bafé na action kuyi, ça va prendre des années et des années. Est-ce que y a Womba manakuyi, Inch'Allah, parce que il faut signaler un truc, ce que les marabouts écrivent là souvent, c'est de l'arabe. Ça ne veut pas dire que ça vient du Coran. Et tu peux prendre des trucs dans le Coran que tu utilises à l'envers. Donc, tu sers Iblis à ce moment-là. Tu sers Shaitan à ce moment-là. Voilà, parce qu'il faut que les gens comprennent cela. Les gens pensent que tout ce qui est écrit en arabe, c'est musulman. Tout ce qui est écrit en français, ça ne veut pas dire que c'est une loi française. Voilà. Donc, les divinités, avant l'islam, il y avait des divinités africaines, il y avait des divinités européennes, il y avait des trinités. Cela existe, ce sont ces histoires qui existent toujours, même en Europe, les reptiliens. Les reptiliens, en Afrique, c'est les Linguinanga, c'est les Sogori, c'est les divinités genre reptiles. Il y a beaucoup de cela en Guinée, énormément. L'islam n'a pas été assimilé en Guinée. C'est ça le truc. Ceux qui sont venus pour faire l'islam, ils n'ont pas fait correctement les choses. Et c'est ce qui joue. Si on prend aujourd'hui, ethniquement, c'est ce qui fatigue cette ethnie. Je l'ai expliqué ici 50 000 fois. Je me suis cassé la tête à l'expliquer. Les gens ne veulent rien comprendre. Tandis que c'est une évidence. Un musulman, ta première mission, c'est l'islam. Ce n'est pas la démocratie. C'est ça ta première mission. Tout à fait. Voilà. Je suis d'accord. Maintenant, si tu laisses l'islam de côté, quand tu es à Madina, tu as ton Coran que tu récites, tu as ton Coran que tu lis, tu vends des produits éclaircissants. Je le dis régulièrement. Tu vends des faux cheveux. Je le dis régulièrement. Ton fils et toutes ces choses. Donc, les gens négligent cela. Quand toi, tu vas te battre avec un satanique, mais toi-même, tu sers Satan. Quelqu'un qui vend les faux cheveux. Tout à fait. Toi-même, tu cherches Satan. Voilà. Tu passes toute ta journée à prier et le soir, après ton dîner, tu prends un verre de whisky et puis tu dors avec ça. Quelqu'un qui vend les faux cheveux, les faux teints, tout ce qui est interdit, mais c'est comme quelqu'un qui vend de l'alcool. C'est ce que les... Tout à fait. Moi, je ne comprends même pas. Ce que moi, je vois en Guinée, là, c'est évident. Mon frère, voilà, il n'y a pas 50 000 routes. Nous allons monter, nous allons descendre. Tant que les Guinéens ne changent pas, ça ne changera pas. Quand est-ce que nous allons changer? Ce que vous dites là, ce que vous venez de dire, moi j'ai fait tout ça. Je leur ai dit ici. Moi j'ai fait tout ça. Le moment que je me suis rendu compte que j'allais mourir si je n'arrête pas, c'est là que j'ai arrêté maraboutage. Hey, moi j'ai été au Burkina. J'ai été au Bénin, j'ai fait le vaudou, j'avais fait tout ça pendant des années. Les nocéries là, même ça, c'est pas bon. J'ai fait tout ça. Aller chez les joueurs de Kori, aller chez les Simbo, j'ai fait tout ça il y a quelques années. Mais quand tout ça, ça s'est retourné contre moi, je me suis rendu compte qu'il y a le suprême. Tandis que je ne priais pas, je ne jeûnais pas. J'ai expliqué ça ici. C'est ce qui, moi, m'a changé ma vie. Donc, je me suis dit à ce moment-là, comment ça, ça m'est arrivé, tout ce que je fais aujourd'hui. Je me suis dit, j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, moi, c'est l'islam qui a changé ma vie. Il se peut que l'islam change la Guinée. La personne me dit qu'il ne se peut pas dire que c'est l'islam qui va changer l'humanité, que c'est écrit. J'ai dit, ah bon? Il me dit, ce n'est pas la Guinée seulement, c'est l'humanité. J'ai dit, mais pourquoi les Guinéens se fatiguent alors pour autre chose, tandis que l'islam est là? Moi, j'ai été comme ça, progressivement, arrêter toutes ces choses. Mais dès que je ne prie pas, les prières de nuit, dès que je rate un jour, je le sens que j'ai raté quelque chose. Et je vis en fonction de ça. C'est ce qui me fait survivre. Je suis consciente que c'est ce qui me fait survivre, moi. Est-ce que les Guinéens sont conscients que c'est l'islam qui peut les faire survivre? C'est effectivement ce qui vous fait survivre. C'est ce qui me fait survivre, moi. Donc, quand je les vois écrire des conneries ici, ils me font rire. Quand je vois les gens qui,
qui ont manifesté contre Alpha Condé disent à mon frère, bon Dieu de bon sang, tu as le Coran. Tu as le Coran, qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire des manifestations dans la rue? Il y a des noms de Dieu pour ça. Tu as mémorisé le Coran, qu'est-ce que tu as brûlé les pneus? Mon frère, il faut qu'on se comprenne. Tu ne peux pas laisser l'islam combattre pour finir, Shaitan avec autre pour, chose. Pour finir, j'exhorte tous les Guinéens à aller dans le bon sens et prendre la religion au sérieux. N'est pas associer la religion à ces trucs sataniques. Ça vient. Dire qu'on est religieux et on a quelque chose gardé dans la maison, ça, c'est pas être religieux. Ça, c'est être satanique. Donc, toute personne qui se dit qu'il est religieux, ceux qui gardent à la maison là, dans l'armoire, ou bien ceux qui l'ont sous ses ranges et je ne sais quoi là, il n'a qu'à l'enlever et brûler. Donc, j'exhorte tous les Guinéens à évoluer dans ce sens. Merci et bonne nuit. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Qu'Allah vous paye, qu'il vous assiste. Merci à tout le monde. Il y a quelqu'un qui a rappelé plusieurs fois. Il faut que je le rappelle. Ça sera le dernier, Inch'Allah, parce que je sais que c'est Monsieur Islam. Et il est très calé en Islam. Je vois qui c'est. On va le laisser terminer. Il faut changer, hein. Il faut changer. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment ça va? Oui, vous allez bien, votre mari va bien, les enfants? Il est là, ça va, tout le monde va bien. Oui. Je voulais intervenir un peu concernant le titre que vous avez mis là, pour ce soir. Oui. Allez-y. Oui, franchement, moi, ce que je commence à voir, ce n'est pas ça que j'attendais. Je ne vais pas dire je suis déçu, mais voilà, plus de 60% ou 70% déçu. Parce que quand le gouvernement en place maintenant nombre de personnes, et ces personnes-là prennent des décisions qui n'est pas correctes, et ils disent rien, pour moi, c'est comme ils sont d'accord avec ça. Et je peux confirmer qu'ils sont d'accord avec ça, parce que sinon, ils sont là pour veiller entre leurs enfants, je veux dire comme ça, ou bien leurs frères. Celui qui voulait violer son petit frère, il dit non, 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 c'est pas comme ça, c'est pas correct. Vous devez partager les choses à l'égalité. Donc, et on va faire comme tombola, ça c'est les élections. Celui qui va gagner, on va lui donner. Mais quand on essaie de jouer certains jeux maintenant pour écarter certaines personnes, franchement, ça m'inquiète beaucoup que ça revienne la même chose. Donc, je me demande si on n'a pas applaudi pour rien. Et chaque fois, on amène des personnes que tout le monde crie, non, c'est lui là. Et il voit bien ces gens-là. On a beaucoup disputé pour qu'on ne les mette pas dans cette place parce qu'ils ont fait ça et ils les maintiennent. Et ces gens-là prennent des décisions et ils disent rien. Donc, pour moi, ça devient beaucoup inquiétant. Et pour moi. Donc, ça, si on regarde comme ce monsieur qui vient de parler là avec vous, et vous parlez de ce qui est l'islam, quand on regarde Mamadi, c'est Mohammed. C'est la même chose. Donc, il a le nom des prophètes. Quand on regarde, il y en a beaucoup de ministres, c'est Ibrahim ou bien des Abou Bakar, des choses comme ça, des noms comme ça. On est tous des musulmans. Mais pourquoi essayons pas d'appliquer l'islam dans notre quotidien? Allah, il a dit dans le Coran, « Wa'atassimu bihablillahi jamian wa la tafarraqu. » Restez unis sur le corps d'Allah. Donc, ça veut dire la religion d'Allah. Il ne faut pas se séparer. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit un hadith qui est authentique, « La tabaradu, la tanajasu, wa la tahasadu, wa la tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwanan. » Il ne faut pas essayer de détruire celui-là. Il ne faut pas essayer de devenir, de haïr celui-là inutilement. Il ne faut pas être jaloux de celui-là. Il ne faut pas essayer de gâcher la vie de celui-là. Restez, vous êtes des frères. Wa kunu ibadallah, restez des frères. Ikhwanan, comme même mère, même père. Donc, des conseils comme ça, je me demande si ça rentre dans leur tête ou bien de venger. Pourquoi venger? Ou bien pourquoi essayer de faire mal à quelqu'un?
Pourquoi haïr quelqu'un gratuitement comme ça? Pourquoi haïr une communauté gratuitement comme ça? Ça n'avance pas les choses. Donc si Mamadi dit qu'il vient pour résoudre les problèmes de la Guinée et il laisse passer ça, franchement, c'est inquiétant pour moi et c'est inquiétant pour beaucoup. Quand je vois votre visage, franchement, je comprends, même si vous ne montrez pas tout, mais il y a quelque chose qui vous inquiète. Ce n'est pas ce visage-là que je voyais il y a quelques mois. Mais voilà, on va laisser aller les choses petit à petit. Ce qui est au fond des gobelets, on va les voir enfin. Mais je vais terminer ma parole avec un écrivain russe qui est connu, il s'appelle Tolstoï. Et ça rigole, on dirait qu'il a pris la parole des prophètes, a transformé ça à sa façon. Il a dit, si on était unis comme les abeilles, on allait donner quelque chose doux comme du miel. Si on était unis comme les abeilles, on allait produire quelque chose qui est doux comme du miel. Et donc, il est primordial pour les Guinéens de se réunir. Quand on regarde le prophète, alayhi salam, il était le plus âgé parmi, à 63 ans, c'était lui. Quand il est décédé, on a choisi encore le plus âgé parmi, c'était Abu Bakr. Et quand celui-là, il est décédé, on a choisi le plus âgé parmi et c'était Omar. Et après ça, on a choisi le plus âgé parmi et c'était Ousmane. Et là, on a choisi Saïdna Ali radiallahu anhu. Que Allah les pardonne tous. Donc, quand on essaie de jouer comme ce que je vois, on en parle de limitation d'âge. C'est comme exclure quelqu'un dans la communauté. Donc, quand tu es plus âgé, donc tu ne mérites pas ça. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, « Laïsa minna, il n'est pas parmi nous. Man la yarham sahirana, qui n'a pas de pitié pour les plus petits, wa la yuwaqqiru kabirana, et qui n'a pas de respect pour les plus âgés, parmi nous. » Et quand on essaie d'exclure quelqu'un gratuitement comme ça, franchement, ça me fait la peine. Donc, c'est comme... C'est la version 2 de Alpha Condé pour moi. Donc, je m'arrête là et merci pour m'avoir accordé d'intervenir. Merci beaucoup. Merci. Oui, merci, madame. Ah, calme, ouais. Vous plaît. Merci. Bon, là, c'est le dernier. Je dis tout. Et là, on va faire en sorte que ce soit le dernier, Inch'Allah. Et affaire des sangs humains. Allô? Bonsoir, ma grande sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô? Parce que là, j'ai pu écouter dans votre émission là. Uh-huh. Et j'ai écouté mes frères aussi. À partir de mon frère qui a dit que sa mère, c'est Malinké. Son père, c'est un peu, sa mère, c'est un Malinké, je crois. Uh-huh. Et à partir de là-bas, tous les frères qui sont parlés là, uh-huh. Alhamdoulilah, ils sont bien parlés, ils sont bien exprimés, surtout l'Ostaï qui vient de parler tout de suite là. Uh-huh. En fait, c'est comme le jour là, je vous ai dit, Dieu l'a dit, il ne peut jamais changer une bonheur à un peuple si le peuple même, uh-huh. il ne change pas uh-huh. leur comportement. C'est ça qui arrive en Guinée. Oui. Et grâce à Allah, mm-hmm. comme Dieu l'a dit aussi, mm-hmm. En tant qu'il y a des bonnes gens mm-hmm. parmi vous mm-hmm. qui demandent Istaghfirullah, mm-hmm. et quand je parle ça, je parle de vous-même, oui. et vous-même, ma sœur, mm-hmm. je parle de vous-même. Mm-hmm. En tant qu'il y a quelqu'un comme vous qui mm-hmm. parle Istaghfar mm-hmm. dans notre pays-là mm-hmm. et prier pour notre pays, il ne va pas nous faire du mal. Comme Dieu l'a dit toujours, mm. si le mal envahit un peuple, il mm. y a des gens mm. qui ne parlaient pas, ils ne disaient rien. Mm-hmm. Si le mal va venir mm. pour envahir ces peuples-là, mm. le bienfaiteur comme le malfaiteur, il va vous tous arracher ensemble. Mm-hmm. Oui. Il va vous tous arracher ensemble. C'est ça qu'ils vous sont en train de faire aujourd'hui.
Parce que, attends, je finissais par ce jour. Guinée, nous nous
Guinée me dira qu'à appendre manal. Alors matou, Baba finiri dépense qu'une manal na arasu forêt koi. Mais bombandé nana, ingana samé fari. Afala ibaba nufan na afala mabai. Baba fan nufa afala han pan nana. Aye makolo manesi dene sarba. Ah, ingana na ba. Ah, ibaba nana ingana na ba. Arim pan nuna abino. Na yon don na ba ma. Mais malheureusement, à la toule Guinée Toroma, autant yon don nan nakourou la Guinée koui. À toule Guinée Toroma. Oui. À autant yon don nan nakourou, mon associé koui. Là, tu n'as pas de problème, yat, 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 la Guinée. Mais, à la gagne, on a à la courant à Koulou, à la gagne, on a à Dissé Koulou, à la gagne, on m'a dit les Koulou. À la mangagne, Koutoum Singé n'a pas de mandé. Parce qu'il n'a pas de mandé. Qui m'a dit la même chose. Et alors, il y a quelqu'un qui appelle en même temps. Faut attendre, pardon. Mais, à la fin, au Mali, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, mais à la fin, on a bien fait un peu de temps. Man fikirin fa nga bentara ina kan ne mudi wutan mi fanyi na kai salfi la ginebe una kan ne mudi ita ya ta ko lala na fala ne di an tanki mugi kirin kirin mana wuta ji ne kai astaghfirullah fala man ta alabe mu u halaki ma sinun nu ala la ginebe re yirin de di na kan lohi ala ga na kan lohu la ginebe nu ala ga yitam go ab la Guinée qui est bien dans la mauvaise de Paris ou bien à tête ou la Guinée qui est à la mer mais vu que me refaigner n'est rien à la Guinée me refaigner n'est rien à faire la fille à staff la à la baie parce que c'est que l'on n'est rien à une rue bavarde sur Facebook ma n'est moussé c'est que l'on n'est Facebook n'en que l'on mais autant n'est rien d'or d'un mouille n'a qui connu ça entre 2h 3h et l'île à la marine autant n'a rien fait. La Guinée tire à sa nyon ni matou sinon tout manier la Guinée barfe et la Guinée barfe gano nous ala mais ala au Mali ala au Mali ala au Ngari les Masara au Ngari les Kanyi fait fanima ala au Ngari les Kanyi fait fanira ntara bare ha ngawu nous ala tala te ngawu la Guinée ngawu la Guinée yati Mohamed Camara. Mohamed Camara, je ne sais pas où tu es. Il faut appeler sur WhatsApp, par WhatsApp, le 0033-6-27-85-89-96. 0033-6-27-85-89-96. 0033-6-27-85-89-96. Mohamed Camara, hein? Je ne sais pas si tu es toujours là. Non. Il y a des gens là, quand ils commencent à écrire. Donc, je voulais signaler une chose pour certaines personnes qui veulent se décourager. Il y a un phénomène. Il y a des moments, quand le bonheur se rapproche, on se décourage. On pense que c'est fini, que c'est terminé, que voilà, ça ne marchera pas. Donc, il faut toujours continuer les invocations. Il faut insister là-dessus. Parce que comme on l'a dit au début, le colonel est venu trouver un système. Le système là, c'est un système satanique. Ce n'est pas autre chose. C'est les sacrifices qu'ils font depuis des générations et des générations. Voilà. Il a trouvé ça en place. Donc, ceux-là aussi ne veulent pas que ce système-là finisse. Et ils se disent toujours, oui, telle personne avait fait ça, telle personne avait fait tel sacrifice. Il se peut aussi qu'ils ne soient pas au courant. Donc, toutes les interventions qu'il y a eu ici, sans humain, huile humaine, tout et tout, plusieurs interventions de ce genre, ça revient à peu près à la même chose. Les Guinéens ne sont pas avec Allah, ils ne sont pas sur le chemin de Dieu.
Parce que comme ce que je dis régulièrement, tous les musulmans ou tous les êtres humains sont frères et sœurs. Donc que les ethnies soient de cette manière, c'est que nous n'avons pas un bon fond. Quand, bon, en gros, quoi, en résumé, à peu près, plus ou moins, c'est la même chose que les gens sont en train de dire. Donc moi, ça fait des années que je parle de cette histoire qu'on n'est pas sur le chemin de Dieu. On va parler de tout, ça sera toujours là. Voilà. Maintenant, ceux qui sont là, qui sont en train d'écrire « Vive le colonel quoi et quoi » ou je ne sais pas quoi d'autre, moi j'ai dit « Vive le colonel » avant que le colonel ne vienne. Parce que ça a été dit ici, on a parlé de lui ici, avant qu'il n'arrive. Voilà. Donc, quelqu'un d'autre ne peut pas dire « Vive le colonel plus que moi ». Et en plus, moi je me suis battue pour que ça change, pour que quelqu'un d'autre vienne. Donc, si le colonel, ça ne va pas, je vais vous montrer ma technique là, par la grâce d'Allah, comment je fais encore une fois. Si jamais j'ai participé à son arrivée, j'ai dit si jamais, c'est Allah qui sait, si jamais Allah a pris une de mes petites prières et que ce monsieur laisse le chemin d'Allah, quel que soit le sababou qui a fait cela, qui que tu sois, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'humilie, qu'il gâche tous vos boulots que vous avez fait, tous les sacrifices que vous avez fait. Je ne vais pas rester dans un truc d'injustice. Non. Je vous le dis et je le répète. Vous, vous êtes campé sur le peuple. Moi, je ne suis même pas campé sur le Guinéen. Même si c'est l'Australien. Même si c'est Macron qui peut changer la Guinée. Macron. C'est vous qui êtes en train de parler de France-Afrique. Si c'est Macron qui va donner 3 repas par jour, l'eau, l'électricité au Guinéen, je suis sûr de ça. Comme si je suis sûr de l'existence de mon créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, que tous les êtres humains sont... viennent de lui, Macron peut être président en Guinée. Donc c'est vous qui parlez de Dalai, de Mamadi Doumbouya, de Paul et de Pierre. Si tu vois quelqu'un qui, il sait, il est conscient que Marie Sissoko là, je suis Sissoko, mais Marie Sissoko ne peut rien, mais je veux que ce soit elle qui soit là-bas, tandis que tu sais qu'elle ne peut pas. Ça c'est la sorcellerie. Ça veut dire que tu n'as pas assimilé l'islam, ça veut dire que ton côté humain là, ça manque. Donc, moi, je ne suis même pas au niveau ethnique. Je vous dis, je vous le répète, je ne suis pas non plus pour dire qu'il faut que ce soit un musulman qui soit président en Guinée. Non, vous ne m'avez toujours pas compris. Si un catholique prend le pouvoir en Guinée ou si un animiste prend le pouvoir, c'est parce que ce peuple a cette tendance beaucoup plus développée. Parce que chaque peuple a le chef qu'il mérite. Nous n'allons pas revenir sur ça tous les jours. Je n'ai aucun problème avec le colonel Mamadi Doumbouya. Si j'ai un problème avec lui, je vais m'asseoir ici, je vais le dire. Il ne va rien me faire. Il ne va pas me le faire dans l'invisible. Il ne va pas me le faire dans le visible. Il ne peut même pas par la grâce d'Allah. Peut-être c'est lui qui ne sait pas comment il est venu là où il est. Mais avec le temps, nous allons savoir. Vous savez, quand on danse, tout le monde danse n'importe comment. On ne sait pas c'est qui le meilleur danseur. Mais quand on dit concours de danse un à un, c'est là qu'on va savoir qui danse mieux que l'autre. Quand le combat est en désordre, chacun dit que c'est moi. Chacun dit que c'est moi. Mais nous allons voir. Vous savez, Allah, il a plusieurs méthodes pour montrer ses vrais éléments. Aujourd'hui, tout est mélangé. Tout est mélangé aujourd'hui. Moi, je prie pour lui, pour ne pas qu'il tombe. Oui, parce que ça va me faire mal. Peut-être pas toute ma vie, quelques jours quand même, ça va me déranger. Parce que la vérité est bonne à dire. Parce qu'il est jeune. Il n'est pas méchant. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Et il nous a quand même rendu service. Mais si on vient lui mettre lui bourrer les trucs dans la tête pour le salir lui, parce que s'il échoue, je le répète, ils seront contents 2 fois. Ah, vous qui l'avez applaudi, vous êtes déçus. Ah, toi aussi, ceux qui t'ont applaudi, tu les as déçus. Eux, ils sont déçus de toi. Eux, ils sont contents. C'est ça. Sinon, ceux qui étaient contents, il fallait être content au début. Ou bien, pourquoi vous n'avez pas été content au début? Eh, donc voilà. Donc tout ça là, c'est l'hypocrisie et tout. J'ai écouté beaucoup d'histoires ici qui me font vraiment mal au cœur. Parce que ça confirme ce que j'ai dit. Toutes ces personnes interviennent pour vous faire comprendre, pour que vous sachiez que ce que j'ai dit ici, ce n'est pas faux. Il y a des gens qui le savent, mais ils n'ont pas là où le dire. Il y a des gens qui le savent. Quelquefois, ils se disent, si je dis, on va me prendre pour un fou. Mais aujourd'hui, les gens sont là. Ils interviennent. Ils vous disent. Ils ont parlé en soussou, en malinké, en français. Ceux qui ont compris, ont compris. Je ne vais pas tout... parce que c'est plus ou moins pareil, quoi. C'est à peu près les mêmes choses. Et ce côté religieux, islam revient à chaque fois. Laissez les voyants, les marabouts ont écrit, s'ils ont écrit ça. Moi, je suis sortie de ça depuis longtemps. Je me lève, je fais mes prières la nuit. Et ça prend. Ça prend par la grâce d'Allah. Hier, j'ai jeûné.
Je fais mes jeûnes les lundis et les jeudis. Ça, c'est des trucs que je vous ai dit plusieurs fois. C'est purifier votre âme. C'est pour que vous ripostez. C'est pour que vous résistez. Parce que quand ils font les mauvais boulots, c'est pour le pays, c'est pour tout le monde. C'est sur tout le monde. C'est pourquoi je vous dis, je ne fais pas les vidéos n'importe comment. Il faut que je sache quoi dire pour ne pas mettre les gens dans l'erreur. Oh, le colonel a changé, le colonel est ici, le colonel... Non, quand on fait des trucs, ça peut piquer son cerveau. Nous sommes au courant de ce phénomène. Alpha Condé, il disait si aujourd'hui, demain, il fait autre chose. Tout le monde le tiraille, tout le monde le maraboute. Mais c'est Iblis qui gagne. Lui, il était dans plusieurs groupes sataniques. Et tous les petits sacrifices là, tout là, ça va chez Iblis. Tout va chez lui. C'est pas pour autre chose. Donc, tôt ou tard, vous allez voir la vérité. C'est comme ça. La vérité, elle est lente, mais elle va venir. Et comme moi aussi, je ne laisse pas, Inch'Allah, je ne lâcherai pas l'affaire. Ce que je vous ai dit là, tôt ou tard, vous allez comprendre. Parce qu'il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui témoignent que je ne connais pas, que vous ne connaissez pas. Commencez par vous dire, est-ce ce que cette dame-là dit, si c'est vrai, ça va aller. Il se peut que ce soit vrai. Voilà. Je suis maudite, mais tout ce que je demande à Allah, il le fait. Et je suis plus bénie que tes sœurs. Parce que si j'étais, s'il y avait deux de moi en Guinée, je suis deux. Je dis deux dans le monde. La Guinée est trop petite pour moi. Deux dans le monde. Moi, le monde allait changer. Je ne parle pas de la Guinée, je parle du monde. La Guinée est petite dans mon réseau. Mais là où vous allez comprendre que la Guinée est petite dans mon réseau, c'est là où votre colonel, là, pour l'instant, c'est notre colonel, c'est là où il va déconner et que les mêmes personnes ont soutenu Alpha, on va encore être face à face. Ça ne va même pas retarder, Inch'Allah. Ça ne traînera même pas. Moi, je veux que l'UFDG et l'ANAD et que toutes les autres personnes restent tranquilles. Tout le monde n'a qu'à rester tranquille dans son coin. Tout ce que vous pouvez faire, si vous pouvez prier et jeûner, c'est bon. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Manifestation ou quoi, ou dire qu'on n'est pas content. Il faut laisser tout ça. On va comprendre en Guinée qui est qui. On va savoir en Guinée qui est vraiment avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il va vous montrer ça. Il vous montrera ça qu'en Guinée, avant que Allah fasse quoi que ce soit, il y a quelqu'un quand même qui lui demande. Si la personne-là lui demande, il ne refusera pas ça. Inch'Allah, il vous le montrera. Ha'alati. Il faut qu'il y ait des phases pour que Allah montre que lui, il est avec moi. Lui, il n'est pas avec moi. Maintenant, tout ce qu'on soutient Alpha Condé, je vous prie, allez du côté de Mamadi Doumbouya. Ça voudra dire qu'il a pris le mauvais côté. Et moi, je vais dire à tout le monde de laisser entre moi et les gens-là, quel que soit leur nombre, par la grâce d'Allah, laisser entre nous. Voilà, Rafira. Maintenant, cette fois-ci, on comprendra. Vous rigolez avec moi. Moi, je suis un sens interdit. Essayez. Tous ceux qui ont essayé, ils le savent. Tous ceux qui m'ont appelé insulter ma mère, ils le savent. Tous ceux qui ont appelé les gens pour dire attaquez-les, demandez-leur s'ils sont encore à leur poste. Ça a pris un mois d'attaque. Tout le réseau est tombé. Et le réseau est plus costaud que le réseau de Mamadi Doumbouya. Vous rigolez avec l'islam. Vous rigolez avec Allah. Wallahi, la Guinée, au moins la Kodou. Wallahi, vous ne connaissez pas Allah. Si vous le connaissez. C'est-à-dire, c'est tellement simple, la situation dans laquelle on se trouve, c'est tellement simple que tout simplement, vous le croyez en lui. Mettez les ethnies de côté. Mettez tout de côté. Mettez-vous à la place des uns et des autres. Tu te mets à la place de Marie Sissoko. Marie Sissoko se met à ta place. Vous allez vous comprendre. Moi, je suis femme maudite, oui, mais c'est mon vrai teint. Et je ne suis pas payée pour ce que je fais. Et je suis couverte de partout. Donc, alhamdoulilah, rabbil alamina, si je suis maudite, c'est une bonne chose. Et mon mari même, comme je suis. Et moi, c'est mon mari qui m'a mis sur Facebook. Ce n'est pas mon copain, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas moi-même. C'est mon mari, celui qui m'a épousée. Donc, si je suis satanique, si je suis maudite, tout ça là, c'est bien. Mais je vous mets au défi. Quand Mamadi Doumbouya va aller à une position que moi je vais sentir que la position là, c'est vraiment la mauvaise position, je vous mets au défi de le soutenir et de me laisser seul. On va faire face à face, publiquement, devant tout le monde. On va voir qui Allah aime, qui n'aime pas. Et qui a fait en sorte qu'Alpha Condé parte. Nous allons le savoir, Inch'Allah. Allah fait les choses, c'est-à-dire Fana Walira. Vous pensez que l'affaire de Dieu, c'est la blague? Vous pensez que c'est la blague? Vous pensez que Dieu, c'est parce que tu es plus âgé ou que tu as les cheveux blancs. Il veut que tu l'aimes, que tu acceptes ce qu'il a fait, que tu sois de son côté, comme ce que le monsieur a dit. Dieu fait les choses en Guinée, on dit que non, c'est pas lui, ça c'est pas bon, nous on veut pour nous. Ça commence par ton physique d'abord.
Donc, si vous avez des sœurs dans votre famille, comme moi, Marie Sissoko, qui s'est battue 3 ans, qui s'est battue 5 ans pour arriver là où elle est, pour arrêter tous les interdits, amenez-les. Si vous en avez. Mais il n'y en a pas. Voilà. Inch'Allah, on se reprendra. Ha'alati. Mais la Guinée ne tombera plus jamais dans les mains du Brice. Ça, c'est fini. Élection, mon mouyama, la Guinée, son nom, il n'a pas de manière. Ha'alati. Miri mufa manara etni bina me bore ira mere bloqué parce que foule nek parce que toma nek parce que catholique nek parce que chinois nek no nara yo na présenté nara yo no ma présenté nana na présenté ma in araba isi kamane fon fa aridi me tanke nkisiri sal de bena alama na kula tananda wallahi isi kamane ka alati khawo mula harwa isi on verra. À bientôt, merci beaucoup, merci à tout le monde, merci pour les partager, pour les commentaires. Comme je vous le dis, un bon musulman c'est que l'islam triomphe. C'est ça ton problème. C'est pas la démocratie ton problème. C'est pas l'homme politique ton problème. C'est pas ton ethnie ton problème. C'est que l'islam triomphe. Partout où l'islam triomphe, il y aura la vérité. Pour qu'on puisse faire de cela un mode de vie, un style de vie et un état d'esprit. Vous pensez qu'une jeune femme va prendre ça, poser ça sur sa tête. Vous allez venir insulter. C'est que la cause pour laquelle vous insultez, ça va gagner. Mais vous m'avez le goût. Si moi tu me regardes, tu dis que je ne suis pas avec Dieu, je pense que toi tu as la porte, de, tu as les clés de l'enfer. Mais l'enfer là, c'est toi qui vas aller là-bas, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt. Je suis pressée du match là. Je suis tellement pressée de ça. Vous allez comprendre qui est qui font tomber les gens dans ce pays là. Là où Mamadi Doumbou est assis là, il sait qu'il a laissé une route. Il le sait. À bientôt, Inch'Allah. Merci à tout le monde. Qu'Allah vous assiste tous. N'oubliez pas les prières de nuit. 2 rakas là, c'est minimum. Si vous pouvez faire 11, c'est très bien, c'est parfait. Ne dépassez pas 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, jusqu'à 11, c'est bon. Si vous pouvez faire 2, vraiment c'est minime. Ça c'est trop petit. Les problèmes sont énormes. Astaghfirullah, plusieurs fois par jour, c'est bon. Les noms d'Allah, n'importe lesquels par jour, c'est très très bien. Il faut qu'ils soient dans vos vies. Arrêtez les interdits. Arrêtez les interdits, vos femmes, tout le monde. Hey, il n'y a pas 50 000 routes, il n'y en a pas 10 000, c'est celle-là.